Nous te content passer semaine avant qu'on y a nous parler. Actualité a une actualité qui a focus surtout sur le pays d'Haïti. Jodi a dans actualité a politique et justice, c'est tribunal citoyen contre dictature qui siégeait côté condamné président Jovenel Moïse sous trois chefs d'accusation parmi eux violation constitution avec violation droit monde. Entendez verdict juge ça, juge dans tribunal symbolique ça. Jovenel Moïse avait nommé de manière unilatérale 9 bandits au conseil électoral provisoire. Considérant que M. Jovenel Moïse a été élu président d'Haïti à la suite d'un processus électoral entamé en 2015. Considérant que la Constitution de 1947 amendée, en son article 134-2, stipule l'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche du mois d'octobre de la cinquième année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne veut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Considérant que l'année de l'élection du sieur Jovenel Moïse a été 2016. Considérant que le mandat du sieur Jovenel Moïse arrive à terme le 7 février 2021, vu que son mandat commençait à courir le 7 février 2016 suivant l'article 74-2 de la dite constitution. Considérant que le sieur Jovenel Moïse continue à s'accrocher au pouvoir en dépit du fait que son mandat touche à sa fin le 7 février 2021. Considérant que l'article 74-3 de la dite constitution stipule, le président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Considérant dans l'analyse de tous ces faits, il y a lieu pour le tribunal de déclarer que le sieur Jovenel Moïse installe dans le pays une véritable dictature depuis le 7 février 2018. Par ce motif. Le sieur Jovenel Moïse est reconnu coupable pour violation de la Constitution, des lois de la République et les droits de l'homme. Donc c'était un verdict dans un procès symbolique que tribunal citoyen contre dictature était fait et était siégé. Jodia, il y a plusieurs leaders religieux qui étaient présents dans l'occasion et procès symbolique ça et au même été réagi et favorablement. Entendez d'abord pasteur Gérard Forge. Réalisé, volonté manifeste que nous capables de retourner dans ça que nous avons rejeté depuis avant 86 là, qui c'est dictature. Donc maintenant, puisque gagnait un tribunal qui montait symboliquement, qui pour dire non à toute action et justice, et également retour à la dictature, nous-mêmes, dans la communauté protestante, comme monde qui a visé et qui là, côté lumière, nous obligeait présent pour nous capables
vin kore mouvement ça et pour nous capable voyer by opinion nationale et internationale haïtien dit yo pas tourner dans dictature encore haïtien dit li bouquet subi ça nous relait injustice nous bouquet avec mouvement kidnapping nan insécurité a nous bouquet avec ça nous relait dans des bien ingérence côté que gagné yo ensemble de monde qui a très bien toléré bourreau peuple haïtien yo haïtien donc paquet bourreau un paquet dominateur qui a dominé qui a fait passer misère mais moment arrivé pour que gagne monde dans société a qui levé camper et dit non à toute forme d'injustice sociale nous pas voulons retourner dans bagaille ça et nous même en tant que leader qui au sein du peuple à côté peuple là dans mitan peuple là défenseur peuple là à chaque fois nous bagaille ça va arriver sur yo nous obligé lever camper pour dire non nous pas retourner dans temps bagaille mouvement totalitaire encore faut nous capable protéger démocratie. C'était pasteur Gérard Forge qui était parmi leader secteur protestant qui était présent dans procès symbolique là et gain l'autre leader encore qui était là notamment pasteur Gérald Bataille lui-même tout il était by opinion sur ça qui passé. Je souhaite que après tribunal là population capable de soulager pour le connaître aujourd'hui ça c'est symbolique mais demain si Dieu veut la réelle parce que le pays ça a subi trop. Ou ka imagine ou nou te pov deja, metnan nou vin pi pov. E la jan sa yon bo ki sa yon fe nan peyi ya, nan sa fe kidnapping, se de milyon ki va prende. E egalman insekurite, insekurite tout de sekurite fizik, insekurite gadi alimenter. Donk nou pense ke mouman sa, e apre sa publik la, li kapab ou mwen soulaje nan sa ki a pase nan peyi. Pas gagner justice dans le pays également. Nous capables de garder ça. Pas gagner ça ne capable de la justice. Nous avons une sécurité chronique qui a bouleversé nous. Est-ce que l'église a arrêté de bras croisés? Non. L'église n'est pas capable de rester comme spectateur encore. Faut-il bien que l'église est capable de sortir dans quatre murs pour capable de dire non à l'injustice, oui à la justice. Imaginez-nous un petit moment. Yo ti moun 5 ans qui ça le fait qui ça le cause ça qui ça le fait ou moun ou tuer pour vous tuer lui ou tuer le pour qui ça pour être l'argent $4,000 non le pas capable mais gay là yo arrêté yo équipe moun ensemble avec juge pour cassation et mais qui ça passé qui ça passé avec lui juge la guerre et après ça l'autre moun yo rester en prison côté équilibre là tout ça yo c'est injustice. Et raison que fait nous là, c'est pour nous encourager tout le monde, faire tout ça nous capable pour nous stopper l'injustice avec la sécurité ça, qui a battu dans le pays d'Haïti. C'était pasteur Gérald Bataille qui était présent dans l'occasion pour cette symbolique ça qui était faite. Et nous avons sous place et correspondant à nous, Massado Vilme, qui t'a suivi pour nous procès ça. Et Massado Vilme, nous avons des déclarations, nous avons des verdicts juges là, nous avons des déclarations avec leaders religieux dans le secteur protestant. Et dis-nous non, et dans qui ambiance que le procès a été déroulé? Est-ce que y a l'autre secteur de la vie nationale là qui était présent? Ah, Massado Vilme. Ah, Gelle nous perdu Massado Vilme. Et pendant ce temps, il y a un coordinateur général, Conseil national Société civile haïtienne, en parlant de Joseph Domingue Orgela, qui croit que démarche opposition fait pour apporter pour installer M. Joseph Messène Jean-Louis comme président provisoire transition. Il dit que ça ne peut pas aboutir à rien. Il encourage les acteurs hôpitaux à chercher à joindre une entente pour résoudre la crise politique. Là. Monsieur Orgela. Moi-même, comme coordonnateur national, Conseil national Société civile, moi j'étais dans la convergence démocratique. Moi j'étais un gros acteur dans la convergence démocratique. 7 février 2001,
le président Aristide a installé, nous installé M. Gérard Gourgue comme président. Nous installé dans Pomoré et le président Aristide installé, installé dans le palais. Mais le président Aristide fait 4 ans. L'allée en 2004, forcé l'allée. Nous ne disons pas le même contexte là, mais c'est le même bagage. Parce que le président Gourgue nous a installé, il n'y a pas de moyens de politique. Je dis à M. Messène qui moyen politique. Nous avons fait payer un pile tort parce que nous n'avons pas de cas de nous entendre en 2001. Nous bataillons, nous n'avons pas fêté 200 ans en 2004. Journée, je dis, pendant la crise, pour nous profiter, pour nous tout doter le pays de nouvelles constitutions qui permettent la diaspora impliquée dans la gestion politique du pays, et bien nous pétons goumé, nous disons, nous ne pouvons pas entendre nous, nous voulons craser le pays en l'autre fois beaucoup plus depuis le président Jovenel Monté. Il y a des groupes politiques qui ne peuvent même reconnaître lui-même parce qu'il a été contesté l'élection. Ils ne peuvent même reconnaître lui comme président. Il y a des autres groupes même qui te dit depuis que M. passé, il a boulé le pays à net. Même sous 100 ans, il a boulé M. Mais je dis, il y a 4 ans au pouvoir. Ça veut dire que même si tu as gagné des problèmes, mais journée je dis, puisque là encore, c'est lui qui gagne force répressive, c'est lui même qui gagne toute institution étatique dans Mel, je pense qu'il faut composer pour permettre effectivement de ne pas craser le pays. Tant que l'année dernière, nous faisons des gens qui sont à l'école, qui étudient, etc. Nous faisons pays à perdre l'année 2020. Je prie les acteurs en grâce, ni les gens qui sont en opposition, ni les gens qui sont en pouvoir, pour ne pas quitter le pays à perdre l'année 2021. Parce que son année qui a annoncé des gros chantiers. On nous cherche un temps de préférence pour permettre nous arriver à réaliser ce chantier ça, qui c'est doter pays à une nouvelle constitution et prendre toute disposition pour nous faire élection dans fin année et pour nous remplacer les gens qui méritent remplacer, dont le président Jovenel. Nous pensons que la transition ça est plus favorable, il est plus potable, il est plus bon pour la stabilité de la démocratie dans le pays. C'était M. Joseph Domingue Orgela, qui est coordinateur général Conseil national Société civile dans le pays d'Haïti, lui-même qui croit que les démarches opposition a fait pour installer Joseph Messène Jean-Louis, maître Joseph Messène Jean-Louis, comme président provisoire pour transition pour remplacer le président Jovenel Moïse. Et bien, M. dit que bagay ça, pas marché. Et nous rejoignons Konya, correspondant à Port-au-Prince, Massia Deauville, qui t'a suivi pour nous. Procès symbolique ça, côté que yo condamné président Jovenel Moïse pour plusieurs chefs d'accusation, notamment violation droit monde, violation constitution. Massado, dis-nous non, qui l'autre secteur dans la vie nationale là qui était présent dans et procès ça, nous voyons que le secteur protestant était présent. Justement, ça symbolise, nous sommes capables de remarquer l'organisation des droits de famille qui est présente, nous sommes plusieurs leaders qui sont dans l'opposition, même tout qui est présent, ensemble avec quelques militants politiques qui sont présents dans le processus. Nous sommes plusieurs professionnels, tout, étudiants tout, qui sont présents dans le processus symbolique qui est déroulé, je dis à Jacques Moïse. Et qui structure le processus? Ça veut dire que vous avez. Avocat accusation, avocat défense, est-ce que tu as un monde qui t'a fait office de avocat défense qui t'a défendu, président Jovenel Moïse? Bah, un petit peu l'idée de structure. Normalement, bien que nous n'avons pas un avocat qui t'a défendu, président Jovenel Moïse, même que j'ai un jeune même qui t'a défendu, qui t'a avocat et citoyen. Mais le président Jovenel Moïse, lui-même, le procès symbolique, ça, c'est un avocat normalement qui peut défendre et chercher un procès normal comme déroulé dans un tribunal. Et qui j'en yo, qui j'en moun l'autre moun qui te là, parce que bon, moi, de pou, en général, sonan procès, c'est que ou favorable à ça qui est à fait là, mais qui, est-ce que gen l'autre réaction que nous joignons par rapport à ce procès ça? Ça, c'est nous pas de remarquer. La réaction qui tombe, c'est que en pile, observateur, c'est que
et procès a pas gagné que le policier. Au moins, si c'était un bagage qui s'est fait vraiment vrai, donc je pense que c'est un bon bagage sérieux qui ne s'est pas avancé. Mais tout ça, tout, il a été jugé bon, il a parlé d'observateur, il a été jugé bon tout pour te gagner. Et même gens vont fouiller qui te répondent comme quoi, qui te côté le président Jovenel Moïse. Eh bien, observateur, il a été jugé bon tout pour te gonfler, qui te répondre tout. Et pour le président Jovenel Moïse, qui t'a vraiment vu que le président Jovenel Moïse, même tout, il a gagné. Malheureusement, ça a gagné ça. C'est seulement où tu es capable plus remarquer plus de monde qui te venu pour compte. Ouais, donc c'est dans ce sens ça que je critique le processus qui s'est réalisé, mais pas mal de monde qui va travailler, pas mal de monde qui pense que c'est un bagage capable d'aboutir avec revendication et quelques citoyens qui posent opposition, qui a demandé le président Jovenel Moïse pour discuter de cette prière. Et qui l'autre point d'actualité? Nous ne partons de rien de monde que l'opposition choisit comme et président provisoire Joseph Messène Jean-Louis. Et nous, pendant ce moment, nous avons une vidéo qui est sortie. Est-ce qu'il y a une autre action encore qu'il y a parlé de vous dans la société? La mobilisation, ça nous connaît que demain dimanche, il y a une manifestation qui est déjà annoncée, toujours contre dictature, et ce n'est pas seulement pour demain dimanche, la Québec pour lundi et puis mardi tout. Mais toutefois, pour nous aujourd'hui, hein, c'est qu'il y a une marche qui étudiants qui au niveau université Port-au-Prince, UP, qui déjà accompagnement plusieurs étudiants qui ont l'autre faculté université d'État Haïti eux-mêmes, qui ont été réalisés par rapport avec le cadavement, c'était à continuer, côté monde qui a pratiqué le phénomène kidnapping, de continuer à faire kidnapping. Eh bien, le dernier monde qui subit dans le kidnapping, ça, c'est Maître et Abdias. Et du mec qui fait un professeur à l'université Port-au-Prince, eh bien, qui affecte mon bar au Tigouane, eh bien, et nous qui affecte une matinée en bas Port-au-Prince, et même le même ami, mon Jiménia, eh bien, nous faisons ça, eh bien, et puis d'un haut, c'est pour la aujourd'hui, et puis le président Massa, et nous capables de marcher, c'est bien, le machine qui a jugé l'État lui-même qui était déjà passé en bas du fait, ça qui travaille sur ces forces de l'ordre, de lancer le gaz lacrymogène, qui était capable d'éviter plus de gaz fait, et non Massa, et qui était réalisé. Merci Massado Vilme. Massado Vilme, bah, connaissez ça, si vous avez un autre point encore. Et sinon, nous disons merci. Et rendez-vous à ce dimanche dans un gros Massado Di Abguer de grande personnalité Cap Namassa. D'accord, Jacques, il n'y a pas de problème. La seule chose que je connais, je te dis, eh bien, juge eux-mêmes, ils ont continué ensemble avec le travail qui a été annoncé au TKFA. Ça nous dit que les États-Unis, ils-mêmes, déjà réassumé le support pour question pouvoir judiciaire et le pouvoir qui est indépendant. Merci. Massado Vilme, c'est correspondant service que la Voix de l'Amérique là. Dans Port-au-Prince, il notamment te suivre pour ces symboliques ça et le tabbanou. L'autre point encore, cap dominé actualité. Et t'as coup chaque vendredi, nous pral rejoindre correspondant dans Port-au-Prince, Renan Toussaint, qui pral présenter nous quelques grands points qui te dominé actualité pendant semaine. Semaine lundi 15 pour arriver vendredi 19 février 2021, l'ouvri à carnaval national là qui président Jovenel Moïse était organisé dans ville Port-de-Paix, département nord-ouest pays d'Haïti, côté un pile carnavalier tal Yaya Koyo. Président Jovenel Moïse, dans le lancement officiel festivité ça, sans pas citer non moun, l'enjeu doit être sous quelques opposants politiques, l'idée qui pavle le pays d'Haïti développé. Pendant le carnaval a déroulé pour des pères, kidnappé dans Port-au-Prince, t'es profité exercer profession yo, qui s'est kidnappé citoyen, côté yo enlevé plusieurs citoyens, parmi eux deux avocats. Président Association Nationale Magistrat Haïtien yo, Anama, juge William Morin, mandé la police assumer responsabilité li par rapport à la situation ça. Dossier politique, yon groupe organisation dans la société civile là qui réunit en babonnette n'ap marché pour la vie, mette campé yon tribunal symbolique contre la dictature en Haïti. Ensemble de Massayo, c'est pour nous faire sentir que toute action ça aujourd'hui ministre intérieur à collectivité territoriale Odenfis Benadel qui fait partie gouvernement haïtien démenti information qui fait croire que gain dictature en Haïti. La dictature mon cher, pas fait ça. Pas fait ça mon cher. Ça c'est un bagage qui révolue, son bagage qui passe la dictature. Personne monde pas faire dictature en pays encore. Vous d'accord avec? Donc pour cela,
le président partira le 7 février 2022. Maître André Michel, qui est un leader opposition haïtienne, dit qu'il a continué à mobiliser pour forcer le président Jovenel Moïse à remettre pouvoir pour être capable installé dans le palais national, Maître Joseph Messène Jean-Louis comme président provisoire pour diriger le pouvoir de transition. Il faut continuer la mobilisation sur le terrain pour nous forcer M. quitter le palais national pour nous capables d'installer Joseph Messène Jean-Louis comme président provisoire de la République. Il y a un dirigeant organisation féministe, Astéa Daguya, qui est président association Femmes Dévouées pour le développement communautaire en Haïti, AFEDCO. Pas quoi démarche opposition a abouti. La question opposition désigné juge Joseph Médecin Jean-Louis pour remplacer Jovenel Moïse qui en poste là, c'est laver monsieur à terre. Au contraire, communauté internationale là, campé derrière Jovenel Moïse, c'est un compromis politique qui pour résoudre tout cela. Perspective pour semaine prochaine, opposition haïtienne a annoncé que il a continué série mobilisation contre président Jovenel Moïse. Il prévoit un mouvement 3 jours devant l'ambassade américaine Port-au-Prince pour dire non à supporter dictature en Haïti. Moi c'est Renan Toussaint, cap souhaité un bon week-end depuis capitale haïtienne Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Renan Toussaint et c'est avec flashback ça que n'a bouclé actualité à nan pays d'Haïti ou toujours sous la voie de l'Amérique n'a pas mettre depuis Washington DC on va suivre rendez-vous info faut dire que la voie de l'Amérique nous plume sous plusieurs et plateformes nous sous VOA créole donc sous Facebook nous sous Twitter nous sous Instagram et nous gain et VOA créole pour Instagram et nous sous l'autre encore nous sous Twitter VOA créole donc vous rejoignez nous sous toute plateforme ça yo et nous gagne tout et site web nous qui c'est VOA nouvelle donc branché sous la voix de l'Amérique sous n'importe qui plateforme ça pour nous connaître Denis ça qui a passé en Haïti et à l'étranger ou toujours sous la voix de l'Amérique n'a pas loin actualité à aux États-Unis et à l'étranger. Président Joe Biden fait premier sauti sous scène internationale li en tant que chef d'État. Li offri by leader G7 yo et l'autre leader à travers le monde yon idée sous plan li gagnent pour repenser radicalement politique étrangère américaine nan, pendant le monde a fait face à un paquet de gros crises. Li te parlé dans visioconférence sous sécurité dans ville Munich dans pays Allemagne. America is back. États-Unis tourné. Alliance Atlantique la tourné. Et nous pas garder d'air. N'a préjinou ensemble et nous ca résumer le comme ça. Alliance transatlantique là, c'est une base solide. Une base solide côté que nous ca reposer sécurité collective nous et protéger prospérité que nous partager. Dans deux sorties ça yo, président Joe Biden abordé plusieurs gros dossiers avec partenaires européens lieu tant que l'OTAN, Iran, la Russie, la Chine à Covid-19 là. C'est une première grande sortie internationale jeudi vendredi 19 février 2021 pour le président américain Joe Biden à créer une G7 là dans ville Londres, Royaume-Uni et dans conférence sécurité à dans ville Munich en Allemagne. L'autre nouvelle concernant les États-Unis, gagne une série de tempêtes neige qui a traversé Texas avec sud pays et résidents a pensé survivre dans un système qui pas vraiment préparé pour un mauvais temps comme ça. Il y a environ 4 millions de monde dans l'État Texas, avec plusieurs centaines dans l'autre côté, surtout dans le sud des États-Unis, tant que Louisiane, Mississippi, Oklahoma, Kentucky, et Virginia occidentale, qui fait face à un mauvais temps historique. Et pour finir, rover la NASA Perseverance atterrit sous Mars hier jeudi 18 février 2021, dans l'idée pour mener sous la Terre échantillon géologique, donc il y a un paquet de roches. Mais l'idée pour déterminer si la vie des jambes existait sous planète rouge là. La NASA a précisé, Perseverance traversait l'atmosphère mince et rouge là et installée dans une manœuvre qui était risquée en pile, plus risquée dans toute histoire mission spatiale des États-Unis. Mars est toujours représenté un piège, un défi mortel pour vaisseau spatial. Et Perseverance, levé des filles et c'est la fête aux États-Unis. Voilà, c'est une grosse victoire pour les États-Unis parce que Mars toujours été un gros défi et Perseverance lever défi ça. Nous allons parler immigration aux États-Unis, surtout nous connaissons une déportation qui a fait en direction Haïti. Nous avons Lionel Demarat sous question ça.
Depuis vendredi 12 février 2021, autorité immigration américaine a travaillé sous dossier 25 000 migrants, service immigration avec la douane, te voyé tourner la caillou en accord avec protocole protection migrants qui était en vigueur sous administration Donald Trump. C'est une bonne nouvelle pour migrants qui trouvaient au Kounia là même, dans un camp d'asile sous frontière États-Unis avec Mexique là, côté 25 000 déportés ont été les services immigration, te voyé tourner dans le pays. Nicole Bouesso, c'est une migrant sayo qui n'ont camp d'asile sous frontière américano-mexicaine. Mamzelle, c'est mon pays Honduras. Nicole déclaré, miracle nous capte, presque tout non réalité. C'est parti content, nous content pour ça. Dans journée jeudi 11 février, membre démocrate congrès américain, t'es introduit devant chambre basse là, une législation qui ajoute diverses qualités ressources sous moyens cap nécessaires pour responsable immigration, yo, gérer dossier étranger cap chercher asile aux États-Unis, dossier cap monter pile sous pile depuis quelque temps déjà. Proposition loi, qui est les lois sur citoyenneté américaine, pral augmenter quantité étrangers qui capable participer non loterie pour résidence dans le pays. Ça y aurait les loteries green card. Proposition loi ça, voulait changer mot étranger dans la loi américaine pour remplacer par expression yon moun qui pas citizen et puis li capable ouvrir chemin yon jan yon manière pour permettre 11 millions immigrants qui habitent illégalement dans le pays à appliquer pour citoyenneté. Mais j'ai un président Chambasla, Nancy Pelosi, député Californie, expliquer des marches parlementaires démocratiques. So this is a values-based. Madame Pelosi dit, proposition loi ça, c'est une législation qui basée sur principe nous, et puis la portée bénéfice économique pour pays. J'aime toujours dit ça, immigrants qui viennent dans le pays noir, nous revenus qui arrivent ici avec espoir, yo, avec rêve, yo, avec aspiration, yo, c'est moun yo qui optimiste et qui déterminé pour bâtir un demain meilleur pour famille. Eh bien, tout ça correspond avec The American Way, ça correspond avec principe, avec tradition, nous, comme Américains. Proposition loi, gagne la donne. Priorité dans le domaine immigration hein, que président Joe Biden t'a annoncé un petit moment après discours prestation de semaine. Cependant, le fait que républicains yo pas entendu avec démocrates sous question, hein, c'est capable obliger parlementaires yo couper législation hein, en deux parties séparées. Côté yon capable gain la donne disposition légale concernant employés essentiels qui capable travailler dans cette industrie très important pendant période coronavirus là. Industrie en cours, préparation avec distribution manger, domaine agricole là et la trier. Et puis, même partie ça dans loi, t'es capable de gérer dossier jeunes immigrants sans papier qui t'es entré à parents illégalement dans le pays pendant yo t'es tout petit. C'est qu'on s'apporte parole à la Maison Blanche là, Jen Psaki, reconnaître que démocrate bien capable de gagner pour y faire compromis. Même s'il insistait pour le dire, président Joe Biden besoin d'une loi qui porte bonne genre réforme dans le système immigration. Madame Saki dit, président senti comme quoi toute disposition qui dans la législation, tout ça qui compose proposition loi, c'est tout ça qui fait un document total capital, un document global et élargi. Toute question qu'il a Daniel, ces questions nous devons poser et résoudre. C'est pour ça, les mettez tout ensemble, non seul document devant Congrès. Réforme dans le système immigration américain, c'est une principale promesse Joe Biden a fait pendant la campagne électorale là. C'est une promesse la cherche réaliser avec toute force pendant démocratie gagner majorité dans tous les deux chambres Congrès.